Oui, mais toi. Oh, oh mince, ça aussi. Ça, c'est bien. Oh putain. Oh, tu vas te mettre bien, toi. Oh putain, mais car. Mais gros. Ouais, Kit Kat, super. Mais t'es backing. Ah, il est ici, là. Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat. Ils vont sur des trappes, ils vont sur des trappes. Wesh moche, c'est Getat, on se reprend pour un deuxième petit record sur Skill BV. Du coup aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour pas mal de petits pillages sur Skill. Hein, y'a un pote à moi qui m'a TP à beaucoup de pillages, du coup je le remercie parce que ça m'a permis de faire ce petit record là. Hein. On veut piller beaucoup de petites bases en fait, des mini pillages assez courts mais parfois très intéressants. Des fois y'avait beaucoup de kits empereur, kits enchanteur, etc. Donc y'avait quand même parfois pas mal de stuff. Bref, sur ma chaîne, il me semble que vous aimez quand même ça les pillages. Quand j'ai fait ça sur d'autres serveurs, les gens aimaient bien ça. Même sur Skill quand j'en ai fait dans le temps, dans la dernière version, ça avait pas mal marché. Du coup ben, j'espère que vous allez aimer ça. Bon, je sais que vous aimez plus les grosses BP. Le serveur, ben, ça fait pas si longtemps qu'il est ouvert, donc y a pas encore des grosses bébé clim, etc. Mais j'espère que ça va arriver par la suite des gros pièges de cœur et puis des trucs du genre, ça pourrait être intéressant. Sinon, pour tous ceux qui m'ont demandé dans les coms, je veux pas trop teaser, mais la prochaine vidéo qui va sortir autour du 15, je pense, ça va être du trapping. Donc en soit, j'ai déjà trap un mec bot space. Hein, du coup, je vous laisse, je vais pas trop teaser, hein, mais bon. Bref, comme à chaque fois, résultat du dernier concours, je faisais gagner 3 skill keys. Du coup, les 3 gagnants, bim, GG à vous les mecs. Du coup, contactez-moi sur Discord, et tout est dans la desk. Et puis pour le nouveau concours, donc comme à chaque fois, je fais gagner ma truc. Il y a énormément de gens qui ont fait des. En fait, il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de like sur mon dernier, sur ma dernière vidéo. Du coup, pour vous remercier, je fais gagner 5 skill bags. J'ai dit plus de gens participent, plus ils vont voir des gros concours. Et puis, du coup, 5 skill bags, c'est meilleur que 3 skill keys, hein, j'imagine. Bref, il y aura 5 gagnants dans mon prochain règle. Du coup, pour participer, c'est pas compliqué. Forcément, like, s'abonner et puis commenter vos pseudos sur skill. Juste avant de vous laisser avec le rec, je vais vous poser une petite question. Donc, un sondage en haut à droite et je veux savoir en fait, vous, est-ce que ça vous intéresse les lives sur Skill PvP? Donc, moi perso, je suis pas trop certain d'aimer ça. J'en ai fait juste une fois sur ma chaîne, puis perso, j'avais pas trop aimé l'expérience. Mais après, il y a plusieurs personnes qui me demandent genre quand est-ce que tu fais des lives, etc. Puis, je voudrais savoir, admettons, j'en ferai un ce week-end, est-ce que vous serez intéressé, vous viendrez voir, ou sinon, si vous aimez pas ça les lives, etc. Bref, répondez en haut à droite, puis je vais peut-être faire un live du coup ce week-end. Puis, juste avant de vous laisser avec le gros pillage d'une BP de la Mantique, je vais vous laisser avec une petite présentation de serveur. C'est le serveur de tous se battre. La présentation est vraiment courte, donc en soi, elle dure genre 3-4 minutes, il me semble. Donc, à la limite, si vous avez pas ça les présentations, vous avez pas envie d'écouter, hein, vous savez quoi faire, hein, vous skippez en clin d'œil. Bref, les mecs, voilà, je vous laisse avec la petite présentation. Ensuite, tous les pillages. Oubliez pas le concours, donc like, l'abonnement, etc. Et oubliez pas le petit sondage à droite. Moi, je vous retrouve autour du 15 pour un petit trapping montage. C'est KitKat. Ciao, ciao, les jeunes. Ouais les mecs, c'est Getiat, on se retrouve pour la petite présentation de Kataria V1.5. Du coup, moi, j'avais fait une petite présentation à leur dernière version, du coup, ben, ça c'est le serveur de Tustibat. Donc en fait, j'avais fait une présentation à la V1, donc juste en haut à droite, si vous voulez aller la voir, c'est juste là. Je vais reprendre vite fait les anciennes nouveautés, hein, pour tous ceux qui ont la flemme d'aller voir l'ancienne vidéo, mais je vais présenter très rapidement, donc si vous voulez avoir tout en détail, ben c'est en haut à droite. Du coup, l'ouverture se fait le samedi qui arrive, le 14 juillet à 15h à faire. Moi, je vous fais gagner un petit grade Katari, donc le meilleur grade du serveur, donc pour participer, c'est pas compliqué, faut liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo et puis écrire dans votre commentaire aussi, écrivez Kataria. Après du coup, on va commencer avec les nouveautés en fait. Donc du coup, il y a tous les nouveaux minerais juste ici. Donc le minerai d'aluminium, kaori, quartz et puis le turquoise. Ici, un petit chicha, en gros, c'était pour le nouveau effet de potion. En fait, tu auras des goûts, en fait. Donc, en soit, tu fais shift-click droit pour modifier les effets de potion, en fait. Genre, par exemple, goût pomme, goût nature. Et sinon, tu fais un clic droit dessus pour obtenir l'effet que tu veux. Donc, par exemple, le goût pomme, ça donne résistance au feu. Et goût nature, ça donne juste speed 2. Ensuite, tu as des plans de tabac pour se vendre au shop. Tu as aussi l'enclume en turquoise, en fait, pour assembler des items. Donc, attends, je vais vous montrer tout de suite. Bon, je suis pas très chanceux, je parle dans un océan, mais bon, c'est pas grave. En gros, vous posez l'assembleur, vous montez un item avec un améliorateur. Et puis après ça, vous l'avez. Du coup, j'ai un plastron qui donne vitesse. Donc, quand je vais l'avoir, ça va toujours me donner l'effet speed 2 en tout temps. Une autre nouveauté assez sympathique, c'est les os de compagnon. Donc, ça, tu fais seulement un silverfish, en fait, tu en trouves un naturellement. Tu fais clic droit avec les os de compagnon, et puis ça permet d'avoir justement un silverfish de compagnie. Par exemple, le silverfish qui est utile, c'est pour miner les bases. Donc, en ça, vous faites sage compagnon, ça va faire spawn le silverfish qui va miner tout le chunk. Donc, en soit, après avoir miné le chunk, vous pouvez le récupérer et leur faire miner d'autres chunks. Ça permet surtout pour miner les bases, justement pour récupérer des minerais. Mais il me semble d'ailleurs, justement, pour pas que ça soit trop pire, tu récupères pas tous les minerais. Sinon, pour toutes ces nouveautés-là, il y a la petite commande slash hide en fait, donc c'est quand même assez utile pour les nouveaux. Donc voilà, tout est écrit là-dedans, toutes les nouveautés. Puis pareil, la nouveauté forte de cette version-là aussi, c'est les duels. Donc ça vous permet d'affronter en 1v1 des membres, des joueurs en fait, en pariant de l'argent ou des trucs du genre. Ensuite, du coup, il y a des nouveaux events, donc apparemment l'event Mob Fight. Donc ça, c'est un event PvE en fait, qui dure 20 minutes, donc il n'y a pas de PvE dans cette zone-là, c'est en Warzone. Il y a des mobs qui spawnent, vous les tuez, vous gagnez des loots de mobs que vous pourrez revendre beaucoup plus cher au shop. En fait, il y a une commande slash shop mob zone ou une connerie genre.
or, et du coup ça vous permet de vendre des items, des loups de mort en fait, beaucoup plus cher que d'habitude. L'autre event actuellement qui est fermé, mais en gros c'est une grotte, c'est pas compliqué. Là-dedans, dès que l'event commence, ça va durer 8 minutes, les portes vont se fermer comme ça actuellement. Il y aura des minerais ou des plein d'items qui vont se pendre sur ces petits trucs là en fait, donc il y en a 7 dans cette zone là, donc c'est une grosse grotte avec du PVP. Le but en fait, ça va être de tuer les autres joueurs pour vous-même récupérer les loots, et au bout de 8 minutes après que l'event soit terminé, les portes se réouvrent et puis vous pourrez back pour les survivants. Bon, moi j'ai fini avec la petite présentation de Kataria, donc n'oubliez pas, si le serveur vous intéresse, tout est écrit dans la desk, n'oubliez pas le petit concours, le like, l'abonnement, tout ça, ça fait super plaisir, et puis moi je vous laisse avec le LP sur SkillPP probablement, c'était KitKat, et puis ciao ciao les jeunes! Yo les mecs, on se retrouve pour un petit pillage, donc je parle pas fort, séance ASMR avec Tema, GX en MOTP, à cette petite base là, du coup il n'y a pas grand chose, mais je pense qu'il va peut-être avoir pas mal de coffres, du coup Tema tu peux le faire péter, espérons qu'il y ait beaucoup de stuff là-dedans, c'est genre une petite baie, mais t'es con toi. Mais je vois pas où, Donne-moi les briquets, mais là ils vont mourir, j'ai pas de briquets, sache qui. Non mais donne-moi les... Attends, il le, t'as-tu dit? On va chercher lui. Je t'ai donné des, sa chambre d'épée, je t'ai donné des, il le. Y'a un mec qui mine, là c'est fini. Et c'est bon, allumé. Bim, tu refais péter. Mais il faut pas que tu... Attends, pause, donne-moi. Mais genre là, je pense pas que ça l'a fait péter les coffres, mais il faut le faire sauter, genre. Recule, voilà. Recule le plus possible. Mais pourquoi il pète pas? Oh, ma sub-ci. Ça c'est bien par contre. Attends, il y a quand même des trucs intéressants. Hein. Bon, le stuff ferrite, ça je m'en fous, le stuff diamant aussi, mais... Stuff Senna, peu de joie de style. Là. Ah, t'as tout récupéré, ouais, mais... Attends, y'a plus rien. Attends, t'as récupéré toute la psy, Tema. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le mec, on aurait eu surtout pas mal de stuff Senna, mais bon, ça reste toujours utile à vendre où ils sont échangés. Puis sinon, le psy, ça c'est parfait. Du coup, un petit pillage, je vous laisse avec une autre séquence, les mecs. Yo les mecs, on se retrouve pour un petit pillage. En gros, c'est pas compliqué, il y a mon boy Asgum. En gros, il est en train de miner les droites, comme vous pouvez voir là. C'est un round of hack. Du coup, salut mon boy Asgum. Salut. On vient de trouver une base, il vient de trouver plutôt la base de XX Weed F-Show, XX Weed. Tu dis que c'est un gars de la Mantique? Ouais, voilà, Mantique. Il est déco, j'imagine, parce qu'il est côté con. Ouais, il est déco, parfait, gros. Attends, j'ai pas regardé vite. Oh putain, attends, ce coffre-là. Ah oh, si, je pensais que c'était des trucs au prix, mais bon, il y a deux alambics puis deux fours en urite. Non, mais regarde, les coffres armes sont à droite de toi. Oh putain. Oh, tu vas te mettre bien, toi. Oh putain, mais, mais gros, il y a un coffre en space de colza, mec. Putain, tu te mets bien, toi, hein. Ici, les ouais, perles, quelques psy, ouais, mais les perles, ça, ouais. En vrai, ouais, ça t'évite de les acheter, mais moi j'en ai masse. Change Dog, ouais, on s'en fout du Change Dog. Ah, du P4, ouais, ça c'est parfait pour toi. Pas du Pegasana, pareil, moi j'en ai. Mais en vrai, un bon pillage, hein. Des outils en style, puis sinon le reste. Bon, voilà, y'a plein de bugs de minerais. Putain, ça dit, ça me fait pas. Ouais, mais vous mettez bien, hein. Surtout avec les fucking DC, je sais pas combien ça fait. Attends, ça fait combien d'inventaire un DC? Je pense que ça en fait 2, ouais, voilà. Ça fait pas vrai 2 DC, fait que 2 DC de Colza, ça te fait quand même beaucoup d'argent. Puis pareil, Netherworld et tout. Ouais. Il vient de se faire tourner de Sky, donc ça donne encore plus bien. Parfait pour vous. Bon, en plus, les mecs, le plus fou là-dedans, c'est que juste miner en ligne droite, en fait, vous voyez là-bas à la base et là, on aurait tellement dû un X-Ray. Esgum, tu serais pas en train d'X-Ray par hasard? Gros. Ah, c'est technique proton. T'as miné en ligne droite sur la base pendant 10 000 blocs, man. Bon, GG. Attends, je viens de prendre un screenshot de la base, genre comme ça. Je sais pas si ça peut aider pour la minière. Attends, au pire, t'as pas un. Je vais miner autour. Ouais, du coup, les mecs, ça sert à rien que je récolte pendant plus longtemps. Du coup, c'est un petit piège assez sympathique d'Amantique. GG, S-Gum. Puis je vous laisse avec une autre séquence, les jeunes. Yo les mecs, on se retrouve pour un petit gambling en dépendant de stat P4 et 3. Du coup, on voit là une petite séquence assez amusante. Du coup, GG à toi, mon beau. Allez, go. J'espère gagner, hein. Oh, oui, même un coup de bâtard. Ouais, je pense que j'ai gagné là, ouais, je pense que j'ai gagné. Ouais, ben j'ai gagné. À moi qui mets un combo de fou. C'est bon, GG. Bon, j'ai gagné chaud, c'était chaud, mais bon, GG à lui. Petit PP maintenant pour un casque, hein. Alors, fait qu'ils font juste des PV contre un item. Du coup, allez, GG, smug. On fait un petit coup de loin, c'est bon. Allez, GG. Allez, on enchaîne le PB Gaming ce soir, hein, des bottes titas. Tu vois, on va faire plein de petites séquences sur ma chaîne parce que j'ai rien à upload. Non, j'aurais sûrement dit dans l'intro de cette vidéo là. Du coup, voilà, en GG. Attends, je change de paire en fait. Je suis con. Attends. Ah, c'est bon, j'ai mis un petit combo de côté. C'est good. Allez, GG. Oh non, il y a un clear lag. Attends, dis-moi pas que c'est pas ton clear. Mais ça. Mais. Il y a un clear lag. Je sais pas récup.
GG. Mais le. Bon, vas-y, bah, Renu, c'est quoi? Ah, y'a un full diamant. Moi, j'ai go fuck yourself. Starfull. Starfull, full day, il est mort. T'es payé, s'il te plaît, gros. Tu peux voir Kitiat, s'il te plaît. Mais t'es pas qui? Il est ici, Kitiat. Ils ont sûrement des traps, ouais. Attention, ils ont sûrement des traps, ouais. Il est con lui, hein. Il te met. Sachez, c'est PS. Il est con? Ou quoi? Arrête, t'es pas dans le camion. 17. Non, mais il back à leur trap, il sait leur trap, sur leur trap. Attention, les gars, il y a une trap. Attends, c'est ça? Bah, il est dans la climb, il fait FMAP on, puis c'est climb. Bah, ils sont tous back, hein, c'est Ashnir. Ça, c'est pioche. Ils sont plus loin, c'est Ashnir, ils sont tous back. Rapide. Efficace. Est-ce qu'il a un North Pole? Pourquoi il est en climb? Je sais pas. What? Qu'est-ce que c'est RDV?